Bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale. Il y aura deux invités spéciaux. Vous êtes prêts? Ça va être un trio très inattendu, vraiment. Attends. Mais tu tiens la porte? Ah non. Hello, c'est bonjour. Bienvenue. Merci. Du coup, j'ai invité Nouren et Richard. Je pense que vous connaissez, je vais vous mettre leur petit réseau ici. Et en fait, on va faire les challenges qu'on voit le plus sur le réseau. Sauf qu'on va le faire à trois. Ça va être trop drôle. Dès qu'il y a du make-up, ça peut être que drôle. Vraiment. Ton canapé est génial. J'adore. Du coup, je vous explique. En gros, là, il y a tout le matériel. On a mis des miroirs aussi. Et là, il y a trois boxes. Dans ces boxes, j'ai fait une sélection de produits et c'est les produits les plus viraux qui ont fait le buzz sur les réseaux et qui sont disponibles sur Amazon. Du coup, ils sont tous oh ici. My God. Moi, je vois ça, j'ai trop envie de tester. C'est quoi ça? Oh, j'adore. Je connais pas. Ah, mais genre, lui déjà, je le connais. Il est incroyable, vraiment génial. Ah, ça, c'est le nouveau Duck Plum de chez NYX. Let's go. Let's go. Ah, du coup, comme vous le savez. Pardon, j'étais impressionné. Du coup, comme vous le savez, sur les réseaux, il y a toujours plein de challenges. Là, on les a tous mis là-dedans. Et on va en sélectionner pour chaque étape. Donc par exemple, le teint, on va faire un autre challenge. Pour les yeux, on va faire un autre challenge. Pour les lèvres, un autre challenge. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. On va sortir de notre confort de zone. Notre confort de zone. On va sortir de notre confort de zone. On va sortir de nos zones de confort, ça c'est sûr. Ah bah avant, on fait peut-être notre skincare, non? Ouais. Parce que j'ai pas eu le temps de la faire, moi. J'ai hâte de me maquiller parce que là, j'en peux plus. Moi, j'ai sérum mix à vitamine C, acide glycolique. Moi, j'ai le Garnier vitamine C. Par contre, moi, je vais encore te piquer un truc de ta box. C'est le sérum d'yeux Revitalive de L'Oréal Paris. Moi, je l'ai. On l'avait trop testé, bah voilà. Il est trop bien. Comme par hasard, je suis la seule boxe qui on me l'a pas mis. Ça va pas? Bah, pas de serre, Richard, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, ouais. Je suis un comédien. En vrai, c'est mais il est pour les cernes, celui-là? Ah ouais, caféine. Oui. Bah, l'acide hyaluronique, ce sera très bien pour m'hydrater quand même. T'as pas de cernes, c'est dingue. Ouais. T'as des poches ou pas? T'as des poches? Non plus. Il y en a qui sont bien nés, écoutez. Toi, t'as des poches? T'as quoi comme type de cernes? Poches colorées. Non, mais moi, j'ai grave la déshydratation. J'ai grave des ridules. Arrête, quand tu te maquilles, y'a jamais de ridules. Parce que j'utilise des bons produits. Regardez cette crème. La Provençale Bio, elle est rose. Je vais t'en piquer. Content de tester parce que une crème rose, moi c'est en plus ma couleur préférée. Moi du coup je vais mettre cette crème de Garnier. Je m'en fous. Moi du coup je vais mettre cette crème de Garnier. En gros ça va faire primer, hydratant et en plus il y a de l'SPF 50 dedans. Oh c'est génial. Trop pratique. Ne sortez pas sans SPF. Vraiment. Je dis ça tout le temps à ma mère et à ma soeur mais je suis la première à oublier. Et en plus ça fait glow. Ah non t'as pris la invisible. Il y a la glow. Moi qui l'ai. Tu l'as là sur toi là? Ouais. Ah je savais pas. Ça, je t'en mets un peu. On commence déjà le glow là avec la skincare. On est des fans du glow. Nouren elle est plus team mat. Ouais. Ouais, ça dépend des jours mais là en ce moment je suis très mat, ouais, c'est vrai. Ça dépend de ton mood genre. Ouais. Ok, là c'est bon la skincare elle est ah bah là on est. Notre peau elle est prête. On est ready. Premier challenge. Ce glow là. Qui a le plus beau glow? Mais Esra elle gagne. En fait je pense que c'est parce que... T'es jeune et c'est plumpy encore. T'as quel âge? Genre 29 cette année. Arrête, non mais ça va. Ça, 28. Je vais avoir, tu vas les avoir dans 9 mois. Je vais avoir 30 l'année prochaine. Oh, je suis choquée. T'as quel âge? 25. Bon bah ça... tu t'approches ma belle, t'as quand même un quart de siècle là. Je pensais l'âge. J'ai 27, ouais. 27. T'es plus grand qu'une Nouren? Ouais. Ouais. Je pensais qu'elle était plus vieille que moi. Je pensais pas. Okay. J'ai eu peur. Je savais pas. En vrai, je suis contente parce que je fais pas mon âge. Des fois, on me dit toujours 21, 22 et tout. C'est vraiment pas ton âge. Bonne skincare. Bon, okay. C'est quoi le premier challenge? Ah oui. Alors. Là, on a 5 challenges et je vais laisser Richard piocher le challenge la pour pression. Le pression. En mode, hop. Tain, finger makeup challenge. On se maquille uniquement à l'aide de tes doigts. C'est relou. J'ai hâte de mettre ma poudre avec les Il doigts. Y a le blush. Ah, c'est-à-dire tous des produits. Tout le temps. Oh my god, tout le teint. Ok. Oh my god. Du coup, t'es le seul à faire ça? Non, on le fait tous. Ah, on le fait tous? Ouais. Bon, en vrai, les produits crémeux comme ça, c'est super simple ouais. De les faire au doigt. Ça, enfin, ça va être sympa de se le... Ah bah, on a tous le même. Le non. Fond match, le gloss. On est dans des couleurs différentes. On a des couleurs différentes. Bien, je l'ai testé et il est très très sympa. Sublimateur d'éclat naturel. Bon, ça, du coup, vraiment très simple de l'appliquer au doigt. Oh, le glow. Franchement, j'en ai un peu trop mis, hein. Non, ah ouais, tu mets jamais de base. Je mets jamais de base. Ah bon, j'en ai beaucoup trop mis. Attendez, j'ai abusé sur la quantité. Moi j'adore. Le glow est top. Regardez-moi. Notre hôtesse est à la bourre. Moi je prends trop. Vous prenez combien de temps pour vous maquiller genre? Moi je suis rapide. Ouais, moi aussi, ah, je suis ouais. Assez rapide. En fait, moi une fois que mes sourcils sont faits. Ouais, mais non, ça fait partie de ton maquillage. Bah, je mets presque 20 minutes tous les sourcils. Oh
T'abuses. Non, en vrai, les sourcils pour moi c'est le plus important dans le maquillage, donc ça prend du temps. C'est vrai que ça structure le visage. Et ouais, surtout que les miens de base sont pas du tout symétriques. Et donc, du coup, de les rendre symétriques, ça met du temps. Ok, trop bien. Bon, bah ça, on valide déjà. Ah, pour le fond de teint, on a tout de même, c'est le L'Oréal Paris Accord Parfait. J'ai l'impression d'être en 2012, plutôt au fond de teint avec les mains. Ma mère, elle le fait avec les mains. Maintenant encore? Ouais. Bon, on ne juge pas les mains. Oh là là, ça fait très bizarre. Ouais, de fou. J'ai tellement la suite. Je me maquille jamais avec les doigts. Il est tellement. Fluide, et ouais, léger, c'est vrai qu'il est fluide, ouais. Que du coup t'as pas peur. Genre, tu sais, t'as l'impression de mettre une crème teintée. Vous voyez ce gros bouton là? Ciao, bye. On est en train de réussir le challenge, j'ai l'impression. Ouais, mais attendez, c'est pas maintenant où le challenge va se passer. C'est qu'on va devoir mettre les produits poudre. Regarde la différence. Donc là, j'ai rien mis avec fond de teint. T'as fait les deux côtés? Ouais. Waouh. T'as une trop belle peau. On a tous le même. On passe à un cerne, ouais, on passe à l'effaceur. Mais on est vraiment. Après, qui n'a jamais essayé cet anti-cerne de Maybelline, l'effaceur? Enfin. Moi, c'est un monument. Sur les réseaux, on le voyait partout. Mais oui. Et surtout qu'ils l'ont sorti en rose et tout. Et ça, ça a fait le buzz aussi sur les réseaux. Et moi, je me souviens à l'époque. Donc voilà, c'est ça qui est bien d'être un dinosaure. C'est que avant, ils l'avaient même en fond de teint. Avant que ça sorte. Oui, je m'en rappelle. Ah non, je m'en rappelle pas. Non, je l'explique. En vrai, l'anti-cerne, des fois, moi, je le fais au doigt. Je trouve que ça fond bien, ouais. Moi, je peux pas. Je fais rien au doigt, genre. Ah oui, mais vous avez des ongles aussi. Ouais, moi, je peux me. Enfin, j'en ai aussi, mais. Moi, non, mais même, genre, je fais rien au doigt, genre. Oui, je vis pour l'anti-cerne, vraiment. Genre, là, on dirait un mort-vivant. Entre anti-cerne et fond de teint, si vous deviez en mettre qu'un. Anti-cerne. Oui, on est d'accord. Moi, je mets pas de fond de teint en général. Ouais, pareil. Franchement, le teint, là, il est on flic, je trouve. Très sympa. On passe au bronzer. Et on a. Tous le même. Moi, c'est même parfait. Il est vraiment très bien. Là, ça va être plus compliqué du coup de l'étaler. On estompe, on estompe, on estompe. Et moi, je préfère même les bronzers crème et liquide. Oh là. Crème et liquide, ouais, aux poudres. Ah oui, pareil. Eh, franchement. Deux, deux. J'adore. Compliqué. Je pensais pas qu'on allait autant gérer avec le doigt. Avec bronzer, sans bronzer. Malgré que je me suis refait faire le nez. Tu t'es fait refaire le nez? Ouais. Ah, je savais pas. Avant, j'avais un nez de travers. Par contre, le bronzer là, sur mon front. Bah, c'est bien. Ah ouais, non, ça passe compliqué. Oh my god. Parce que là on passe à la poudre. Oh, ouais, je pense pas. Je pense que si. Bah toi, mais moi je suis de doigt de le faire avec la paume de ma main, genre pour aller plus vite. Ah mais oui, en fait je vais me servir comme ma paume de ma main comme une coupette. Tu fais tout ton visage à la peau? Non, je fais que le sous des yeux et le front. Ouais, j'avoue, c'est très bonne idée. Let's go, c'est la palette de L'Oréal Paris. Paris. Ah, c'est au doigt, j'étais là à chercher ma houppette. Oh là. Allez, là. Les gars, regardez. Moi, c'est la nouvelle houppette. Ça me dégoûte. Là ça marche. Eh mais ça marche. Franchement ouais, ouais. Même au doigt ça marche très bien. Eh mais je suis choquée. Je suis choquée. Oh mais oui. Ouf. Achetez plus vos éponges et vos pinceaux là. Vraiment. Prenez vos doigts, c'est gratuit. Bon après si jamais par contre vous avez une petite toupette dans la... avec un miroir. Oh mais il y a un miroir. Oh il y a un miroir. Je suis choquée. Je le dis et je le découvre en même temps. Oh je suis choquée. Vraiment je suis choquée. Tu sais que je l'ai, j'ai jamais remarqué. Et même avec les ongles en vrai ça va. Et ça a flotté le dessous des yeux, je suis choquée. Ouais. Photoshop dans la vraie vie. Pour le blush, pareil, on va prendre celui de L'Oréal Paris, le Paradise. Parce que c'était trop poudreux. Ah, vive le blush. Ouais, vraiment, ça rajoute quelque chose. Je reprends vie, là. Si vous devriez choisir entre le blush et le bronzer. Blush. Ah non, moi, bronzer, pour le coup. Blush. J'adore le blush. Bronze, hein. Blush. Ah ouais. Ouais, ah en vacances, je me maquille pas, je mets que du blush, mais je mets genre là. Ouais, mais non, mais quand on va en vacances, ok, il fait beau, machin, soleil et tout, t'es allé. Mais genre là, fin février, blush. À Paris. Blush. Ah, moi, bronzer. Moi, ça fait Zarma, je suis un peu genre cute, tu vois. Ouais, non, par contre, c'est grave dur le blush avec la photo. Non, ça va, moi je trouve. Le temps, c'est fini. C'est beau, hein, en vrai. Ouais. On a relevé le challenge haut la main. Franchement, c'était dur. Le blush, c'est pas facile. Moi, je dis que ça va. Non, ça va. Ok, on continue. Prochain challenge. Le prochain challenge, ça va être les yeux. Et là, ça va être différent, genre. Vous allez voir. Qui aurait cru qu'un jour on allait être nous trois sur un canapé quand même. C'est sympa. C'est trop drôle. Noreen, je te laisse piocher le prochain challenge. C'est parti. Yeux, sourcils, one layer challenge, applique ton liner en une seule fois. Ça va. Oh my god. Une seule fois? Ouais. Bah moi je le fais pas en une seule fois, je peux le faire en deux fois, mais là on va essayer. Mais je sais pas si vous avez vu la technique sur les réseaux là. Si si j'ai vu, ou tu d'un coup genre... Oui, je vais essayer. Attends, j'ai pas de liner. Liner. Là on va ce liner, celui-là c'est le meilleur au monde, je l'utilise depuis des années. C'est celui de NYX Professional Makeup. J'avais vu une technique sur les réseaux où genre, comment tu fais ça et après tu tournes ta tête genre. On a le droit de pas relever la main du coup. Ouais. Je peux faire. Ok. Bon, bah c'est bon. C'est vrai. Vas-y. Ok. Mais du coup, là, je reviens en arrière. C'est bien, oh, c'est bien. Génial! Oh non, t'as levé! Hey c'est bien, oh, c'est génial! Ta dette. En vrai, la forme est bien. C'est juste que j'ai pas pu remplir bien au ras de cils. Ouais, ta dette. Allez, à toi, Esra. Ok. Alors, moi, la technique. Je crois que tu fais ça et après tu. Ok? Attention! Attends, arrête! Ah, c'est trop. Bah voilà. Non. Voilà. Non. Voilà. Non. Ah bah. Non. Ah
Alors là, j'ai pas trappé ma belle. J'ai même pas touché. Il y avait pas de liner, attends. Oh, ça va. C'est génial. Ça va. Mais ouais, c'est très bien. C'est un liner fin. C'est parti. On y va. Attention, tu peux pas relever. Hein. Je sens que tu vas. Elle a relevé. Mais Noël, ça veut une tricheuse aussi. Il est jaloux devant liner. Bah oui, t'as fait en deux fois. Non, j'ai pas fait en deux fois. Elle a levé. Je l'ai pas levé, il était là. J'ai fait ça en on doit refaire la même chose de l'autre côté. Bah, oui, oh, c'est dur. On a deux yeux, ma star. Mais là, je suis sûr que je vais réussir à faire parfaitement en une fois. Allez. Je te regarde bien. Ah. Mais en vrai, j'avais l'œil qui me piquait, je voulais juste cligner des yeux. Il est horrible celui-là, je suis désolée. Bah, venant d'une tricheuse. Vas-y, montre. Je vais mourir. Oh, horrible, je suis sûr qu'il y en a derrière la caméra, ils n'arrivent même pas à le faire ça en 10 minutes. Eh, hey, jaloux. Vas-y, j'y vais. Allez, Isra, tu vas dead. Oh. Ah, oh, bien. C'est beau. Oh, j'adore. Là, t'as oui. bien réussi. Ah, oui, oui, oui. C'est léger. Oui, je préfère. Mais c'est beau. Ah, oh, mon tour. J'ai dead. Ok, ça part. Isra. Ah. Mais quoi? T'as touché? Non, non, attends. Ah non, mais attends, wesh, laissez-moi tranquille. Elle sera surveillée. Non, je l'ai raté. Ah ouais, là t'as grave raté, là. Raté. La pointe, elle est... Elle est douteuse. Elle est douteuse. On voit bien, vas-y, faut trouver la caméra. Elle est très douteuse, la pointe. Mais je préfère mon liner qu'au tien. Je vais quand même agrémenter mon petit look yeux avec les tattoo sticks de Maybelline. Du coup, on les fait en une fois aussi ou pas? Ne me parle plus. Mais attends, maintenant qu'on a rigolé avec le challenge, est-ce que je peux rattraper mon liner ou pas? Non. Non. Fou lui. Regardez ce violet là, il est pas genre féerique. J'adore. Ils ont même un rose, non? Non, ouais. C'est Maybelline. Ah oui, c'est Maybelline, ouais. Ah ouais, j'ai vu, je me suis dit trop DA, Nyx. Ouais, non, je crois que je vais me le mettre. Il est pigmenté de ouf, choqué. Wow. Oh, t'as vraiment. Eh, t'as sauvé ton eyeliner. Ouais, mais c'est pour ça que je triche là. Oui. Ah, ah oui, mais t'étais Miss Algérie. Oui. Mais c'est une dinguerie. Si, j'ai été en 2015. Miss Clay. Ouais, ouais. Incroyable. Oh, j'ai. Ah oh, ouais, si, regarde. Trop, trop. Mais. Franchement, elle a pas une DA de scorpion. Parce que les scorpions, c'est très dark, très noir. Ah ouais, c'est vrai que moi, c'est pas du tout ça. Hein. Ouais. Non, non, oui, pour le coup, c'est l'inverse. Mais je pense que c'est les apparences, genre. Tu penses que je mens? Non, non, moi je pense vraiment que son ascendant il prend le dessus. On passe à quoi maintenant? Au mascara. Au mascara. Je suis le. Finesse, vous êtes contre moi. Non, on est juste. Après, celui-là, il vient d'arriver aussi. Mais il vient d'arriver, ouais. Moi je le connais plus. Ouais, je donc, connais plus aussi. On utilise le 6 en Sachanel de chez Maybelline, que j'adore, il est très sympa. Et moi le panorama de L'Oréal Paris. Est-ce que c'est pas l'étape la plus chiante pour le mascara? Parce qu'en fait, si tu rates le mascara, tu rates tout le make-up. Ça se voit, tu rates jamais ton mascara. Il y a toujours les fossiles pour planquer. Ah mais non, mais quand tu n'utilises pas de fossiles. Oui, mais moi c'est vrai que c'est le plus relou aussi. On est d'accord. Ouais. Franchement, incroyable, regardez la différence. Waouh, regardez, sans mascara, avec mascara. Tu vois la diff? Ah bah oui, de ouf. Ma pote t'as des cils de ouf toi déjà de base. Non, ça va. Ah si, ils sont très beaux tes cils. Ils sont bien. Toi t'as été gâtée en poils. Genre t'as des beaux sourcils, t'as des beaux cheveux, t'as bah, des les turcs. Non, c'est vrai en vrai. Oui, les turcs, en général en poils c'est sympa. Moi, des fois, je ressens des commentaires en mode ouais, t'as des cheveux sur les bras. Ah ouais? Ah ouais? Mais jamais. Alors que déjà. Moi, jamais. Ah ouais? Alors, je vais pas les épiler, je les épile pas. T'as pas beaucoup. Ouais, t'as trop, t'as moins que moi. Oh, ça m'a fatigué le mascara. Alors, moi, je vais juste les pixer avec le The Brow Glue de NYX Professional Makeup. Pareil. Sûrement, mais. Ok. Sympa. On a du coup. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète. Elle a dit, tu me fais ces c***** tes soucis. Continuons les challenges. Voilà le résultat. Est-ce que vous aimez bien? J'aime bien. C'est trop bien parce qu'on a vraiment trois styles différents. Ouais, vraiment. C'est trop cool. Toi, ça fait très. Comment dire? Dark. Ouais. Un peu mob wife. Ouais. Ouais. Et toi, t'es fantasy, genre? Oui. Et moi, genre petite fée. Grave. Et toi, moi, c'est genre extravagant, genre de très ouf. Graphique et de coloré et tout. Ok, dernier challenge pour les lèvres. Allez, à toi de choisir, Isra. Ah, ok. À moi de choisir. Allez. Let's go. Alors, maquille-toi avec la main opposée. Oh my God. Personne n'est ambidextre ici. Non. Non, ça part. Moi, j'ai commencé avec le petit rouge à lèvres liquide L'Oréal Paris. Pareil, je pense. Pareil. Oh. C'est... Attendez. Ah mais non, mais moi, mais je ouais, suis... Mais ouais. J'ai oublié le challenge. Je déteste me faire les lèvres. En fait, il est grave fin sur les lèvres. C'est pas les rouges à lèvres liquides comme avant.
C'était un peu, tu sais, épais et puis ouais. Ça craquait limite. Franchement, facile la main gauche. Ah ouais, t'as déjà fini. Ouais. C'est kata, mais c'est parce que c'est le challenge qui le veut. Et là, on passe au gloss. Glass. Moi, je vais utiliser le Duck Plum au gingembre de chez NYX. Moi, je vais prendre le Lifter Gloss de Maybelline. Il va pas plumper, il va juste faire un beau petit côté glossy. Et moi, le Lifter, mais version plump de Maybelline, c'est tout nouveau, au piment. J'adore. Franchement, trop facile à appliquer. C'est le challenge en fait. Mais je suis la main droite. Tu fais exprès. La vie de ma mère que non. J'ai trop d'aide. Oh. Ok, franchement, on a d'aide. J'adore. C'est trop bien. En vrai, pour vous, le challenge le plus dur, c'était quoi? Les yeux, les teints ou les lèvres? Le liner. Ah non, moi, c'était les yeux. Moi, c'était le teint. Ouais, le liner, ouais. En vrai, ça a été le teint. Donc, tous les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, ils seront présents sur la page Birel Beauty sur Amazon. Bon, allez, je vais me démaquiller par contre, parce que voilà quoi. Let's go, on va se démaquiller. Ah, franchement, c'était sympa. Bah, merci, Esra, de m'avoir invité. Avec plaisir. Allez, un deuxième. Tu veux un deuxième? Bon, bah là, je pense avec tout ce que je me suis mis sur le visage. En vrai, j'hésite à me démaquiller aussi en fait. Moi, je dis démaquille-toi. Ah ouais, je me démaquille. Oui, j'avoue, je préfère qu'on me voit démaquillée. Oui. On pense que je sais pas me maquiller. Ouais. Vous mettez dans le pied, vous? Non. Non, jamais. Vous êtes pas myope? Non. C'est genre, c'est pas bien. Mais moi. En fait, c'est ça. Mais tu sais que tout le monde dans mon entourage est myope. Quand je leur dis, bah moi, je vois bien, ils sont choqués. Vraiment, pour moi, c'est un mythe.